toutes les autorités à vos grades et rangs distingués. Monsieur le président de l'UAT Suisse et sa délégation, monsieur le proviseur du lycée de Lavier, chers parents, chers enseignants, chers élèves, veillante population de Lavier et de Pimé, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous cet après-midi en ma qualité de présidente CVD Lavier Apedome pour célébrer l'éducation. Une éducation que je dédie à la jeune fille, notamment parce que ce joli bâtiment doit booster la jeune fille à poursuivre leurs études. Le message fort que je lance pour la promotion du genre dans le milieu. Monsieur le président du UAT Suisse et toute sa délégation venue des différents horizons, soyez les bienvenus à cette grande cérémonie à lancement de la construction des salles des classes répondant à des normes d'éducation. Les CVD de par ma voix vous transmettent un remerciement pour ce grand geste humanitaire que vous venez d'accomplir à juste titre au moment où le comité est en train de réfléchir sur les conditions difficiles d'éducation dans le milieu qui n'encourage pas nos enfants à se rendre au cours, surtout dans la saison pluvieuse. Nos remerciements vont également à la République suisse qui a mesuré à juste titre les souffrances des peuples et ont mis les moyens à contribution. Monsieur le Président, le CVD, comme son nom l'indique, a pour rôle d'assurer le développement du milieu et donc c'est dans son devoir d'accompagner ce chantier jusqu'à la fin et mettre en place un programme d'entretien de ce ouvrage. Ainsi, l'investissement est dans de bonnes mains et cela constitue donc la promesse que les CVD des trois cantons vous font solennellement. C'est sur ces mots d'assurance que je vous souhaite très bon lancement et beaucoup de progrès à l'UAT Suisse. Je vous remercie.